Bonjour à tous et bienvenue à l'émission BD Cité. Et tout de suite, on commence par l'actu bande dessinée de ce mois-ci. Au programme, le tome 27 de Cédric, c'est quand qu'on part. Le tome 35 des Femmes en blanc, d'Élite Fuite. Et le premier tome de Millennium. On continuera avec les deux BD de Garfield, le tome 13, le secret de Zabadou. Et le tome 14, la revanche des Égyptochats. Et pour finir, mon coup de cœur du mois, le dernier tome de Cellule Poison. Vous voulez rigoler un bon coup ? Que vous soyez petits ou grands, je vous conseille fortement deux BD phares des éditions Dupuis. Tout d'abord, courez acheter le tome 27 de Cédric, c'est quand qu'on part. Le thème, c'est les vacances en famille, version Covin-Langdec, et on adore. Et on continue bien sûr avec... Vous m'attendez deux minutes ? Et on continue avec le tome 25 des Femmes en blanc, d'Élite Fuite. C'est l'hôpital pas très politiquement correct raconté par le duo Covin-Berkovici. Et je vous le recommande fortement. Ok, alors, dans un autre genre, ne manquez pas la sortie du premier tome de l'adaptation en bande dessinée du best-seller Millennium. Après un succès mondial en librairie, deux adaptations au cinéma, Millennium, le thriller suédois de Stieg Larsson, a été adapté en BD par le franco-belge Sylvain Rønneberg et par l'espagnol José Homs pour le dessin. Pour info, 6 tomes paraîtront au total à raison de 2 par roman et au rythme d'un tous les 6 mois. Voilà, vous savez tout ou presque. Alors, on continue ? Reste à finir cette actu avec les éditions d'Argo qui sortent en même temps 2 tomes de Garfield et compagnie. Et oui, on est gâtés, regardez ! On commence par le tome 13. Attendez, c'est mieux là, non ? Alors, c'est le secret de Zabadou. Vous voulez le pitch ? Tel des Indiana Jones, John, Garfield et Audi partent dans la jungle à la recherche de l'Imane. Bon, ok, on passe au suivant. Continuez la lecture des aventures de Garfield avec le tome 14, La revanche des Égyptochats. Walk like an Egyptian. Cet album est largement consacré à Poussinette, la petite chatte de la nièce de Lise. Et si cet adorable animal était l'abominable Néfertiti ? Transformée en chef du peuple des chats, Néfertiti est déterminée à réduire les êtres humains en esclavage. Mais heureusement, Garfield va sauver le monde, comme toujours. Bon allez, je reprends mon sérieux pour vous présenter mon coup de cœur du mois, toujours aux éditions d'Argo. Et il me manque bien évidemment encore un petit accessoire. Approchez-vous. Chut. Il s'agit du 5e et dernier tome de Cellule Poison d'Alexandre Astier. Alors, Cellule Poison, c'est un thriller contemporain qui nous plonge dans l'enfer de la prostitution et qui explore les nouvelles mafias de l'Europe de l'Est. Attention, c'est top secret. Et hop, transformation. C'était ma dernière actu BD et maintenant on passe à l'interview du mois. Nous avons été à la rencontre du dessinateur Patrick Tandian qui nous a gentiment reçus chez lui. Tout de suite, les images. Alors Patrick, merci tout d'abord de nous avoir reçus chez toi, ça fait vraiment plaisir, merci. Alors tu as commencé la bande dessinée il y a 18 ans maintenant, alors ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à cet univers est-ce que tu avais des parents dans ce milieu Oui, donc en fait j'ai toujours été très impressionné par l'image. En fait, et c'est pas mes parents parce qu'ils ne dessinaient absolument pas, mais j'étais tellement impressionné par l'image quand j'étais petit que très rapidement je me suis rendu compte que j'aimais dessiner, j'aimais reproduire les images qui me faisaient rêver quoi. Et tout de suite, je me suis orienté vers la bande dessinée parce que ça correspondait un peu à mon état d'esprit de l'époque. Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont mis sur cette route ou? C'était vraiment spontané, oui, complètement. En lecture, le fait de lire des bandes dessinées, d'être happé par ce monde et de se dire « c'est ça que j'ai envie de faire ». Voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait. J'ai pas eu la chance, j'aurais aimé rencontrer les dessinateurs que j'aimais quand j'étais petit. Qui était en Belgique. Il y avait Maurice, Lucky Luke, forcément. Il y a eu tous les dessinateurs de chez Spirou.
notamment les Franquin, Tillieu, des gens que j'aimais énormément leur travail. C'est difficile finalement de trouver cette alchimie qui c'est fait très, que très dur. Bon scénario, bon dessinateur. Ouais. Je pense que le véritable intérêt de la bande dessinée, c'est surtout de se faire plaisir d'abord, de présenter l'album au public, une fois que l'album est imprimé, qu'il est sur les rayonnages, dans les librairies, et puis de voir si le public adhère ou pas à ce qu'on a fait. Après, il y a la part de surprise, mais quelque part, quand l'album est terminé, quand on le met le mot fin sur la bande dessinée, l'album ne nous appartient plus. L'album, il appartient au public. C'est lui qui va le faire vivre, qui décidera de sa vie. Ouais, exactement. Alors, je sais que tu as travaillé aussi sur des dessins animés. Oui, effectivement. Alors, très étonnée, moi, j'ai entendu parler de Witch, de Totally Spies. Alors, on reste encore dans un univers fantastique, etc. Enfin, science-fiction aussi. Exact, oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur de la série d'animation. Et j'ai fait aussi beaucoup de développement. Sur des futures séries d'animation. Et alors, oui, c'est vrai que c'est très quand même science-fiction. Je me suis rendu compte que j'avais travaillé sur pas mal de projets, ça en tout cas futuristes. C'est cet inconscient, science-fiction, science-fiction. C'est bizarre, mais en même temps, c'est assez étonnant parce que je pense que je suis arrivé sur des projets qui se faisaient un peu futuristes, comme ça, où on me demandait quand même faire de la création, du design futuriste. Alors, pourquoi avoir choisi cette voie-là, ce domaine? Et encore, en plus, ce qui est très étrange, c'est que tu as commencé par une BD plutôt fantastique, historique, c'est vrai, on va dire, et qu'après, on est parti sur la science-fiction. Alors, Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense que j'ai voulu, à un moment donné, raconter des histoires différentes. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse n'est pas forcément un thème de prédilection, c'est avant tout une histoire qui va me toucher. Et le cinéma, alors, est-ce que tu as déjà eu cette occasion de travailler sur des projets cinématographiques? Je sais que tu es un grand fan de Moebius. Exactement. Est-ce que tu aimerais avoir un petit peu ce parcours, parcours un peu similaire? Alors, on va rappeler quand même quelques titres parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors, il a quand même participé donc à la conception graphique de Alien, le 8e passager, Willow, ouais, Abyss et le 5e élément. Alors déjà, est-ce que tu as vu tous ces films? Bien sûr, oui. Ben, un petit peu comme tous les gens de ma génération, c'est-à-dire qu'on les a vus au moins 10 fois, au moins un minimum, parce que c'est des films références, enfin, notamment Alien, c'est le film référence absolu, la référence absolue. Ce que tu aimerais faire? Ah ben, ce serait le rêve. Oui. T'aimerais vraiment travailler sur ce genre de film? Ouais, beaucoup. Beaucoup, parce donc c'est vraiment le futur. Hein. Oui, complètement. Futur, bestiole. Exactement ça, exactement. Oui, non, mais là, je serais comme un poisson dans l'eau. Je veux dire, ce serait merveilleux. Mais dans la bande dessinée, ce que recherchent les gens, ce que recherche le lecteur dans la bande dessinée, c'est avant tout qu'on lui raconte une histoire. Il faut qu'on lui raconte cette histoire. Et la vraie difficulté dans la bande dessinée, et ça, je pense que des confrères pourront aussi le confirmer, c'est comment raconter une histoire. Et c'est dur, c'est très très difficile de raconter une histoire. Attention, c'est l'heure du quiz BD. Alors maintenant, tu as 30 secondes pour pouvoir répondre à 5 questions. Alors, on réexplique les règles. Okay. Si tu ne connais pas la réponse, tu dis « je passe ». Tu peux revenir après donc, sur cette question, mais le but, c'est d'aller le plus vite possible. D'accord. D'aller au bout des 30 secondes et de trouver les 5 réponses. Ok, bon. Je ne te dis pas que c'est gagné. Attention, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, allons-y. Qui est le viking du Nord élevé par le clan Gandalf le Fou? Je passe. Dans Astérix, qui est le chef du village gaulois? C'est Abraham Coursix. Bravo. 3. Quelle est la nationalité de Tintin? Belge. Quel est le grade de Jones au début de la série 13? Je sais pas. Je passe. Dans Landfeuze de Troie, combien 3 a-t-elle de lune? Je passe. Qui est le viking du Nord élevé par le clan Gandalf le Fou? Je passe. Quelle est la nationalité de Tintin? Belge. Quel est le grade de Jones au début de la série 13? Je passe. Top. Alors, on peut rappeler, donc, qui est le viking du Nord élevé par le clan Gandalf le Fou? C'était Thorgal.
Bah, Gandalf, pour moi, c'était le Seigneur des Anneaux, et donc je voyais pas du tout... Je pensais que t'aurais trouvé, en plus. Non, Thorgal, je connais pas, en plus. Alors, quel est le grade de Jones au début de la série 13? Je connais pas. Lieutenant. D'accord. Et dans Landfeuze de 3, combien 3 a-t-elle de lune? C'est 3. Ah oui, ouais, ce qui me semblait logique. D'accord. Donc, tu as perdu. Oui, mais j'ai quand même répondu à 3. J'ai 3 réponses bonnes oui, sur oui. 3 de fausses. Oui, mais 3 sur 5, ça veut dire que tu as un gage. Quel est ce gage? Déjà, tu as gagné un bidibule. Oh. Et tu as gagné le droit de nous faire une bulle. Une bulle? Ah ben, ah, pas mal. Pas mal. En tant que dessinateur de BD. Bon, allez, je vais faire une bulle. Alors, je précise que je vais faire la plus belle bulle possible. Vas-y. Je recommence. Je te montrerai, moi, ce que je suis capable de faire. Oh, ah, alors, ça commence mal. Hein. Ça commence très mal. J'ai même fait 3. Elles sont pas mal. Hein. Ah, pas mal. Je peux recommencer. Vas-y. J'ai le droit à un autre essai. Vas-y. Je vais faire mieux, là. Je le sens. 3. Ouais, 3, toujours. Hein. C'est ton chiffre? J'ai l'impression, hein. Je peux essayer? Ouais. Attention. Ah oui. Oh là 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 là. 4. Oui. Bon, bah, je crois, effectivement. Et bien, cette interview se termine. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi. Patrick, de nous avoir reçus chez toi. Et voilà, BD Cité, c'est terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu. Sinon, merci à la librairie Le Monde d'Arthur Hameau de nous avoir accueillis si chaleureusement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Joyeuse Pâques. Et j'en profite, j'ai mon petit lapin. Vous en voulez un petit bout? C'est difficile en plus.